Bonjour, bonjour. Merci de nous appeler. Excusez-moi. Oui. Je suis en train de suivre votre émission. J'appelle du Cameroun, je suis à Yaoundé. Merci. On vous écoute. Oui, alors là, mais malheureusement, je n'ai pas assez de crédit. Je risque de couper et aller Recharger votre compte. acheter des utilités. Vous voyez? Oui. Commencez en tout cas, on essaiera de prendre en compte votre Oui, préoccupation. la visite entre parents et en présence des enfants, vraiment, c'est une honte que les parents se disent n'importe quoi devant les enfants. Franchement, c'est une honte. Mais nous, les parents, nous devons commencer nos histoires dans la chambre et aller les finir, disons, au salon. Et ça, quand on est seul, les enfants ne doivent pas être là. C'est une honte que les enfants sachent ce qui se passe entre papa et maman. Alors nous, ça doit commencer par nous, que nous laissions un peu nos histoires dans la chambre. Vous voyez? Tout à fait. Donc, moi, Ces unités sont venues, Voilà, effectivement. effectivement. Merci beaucoup, Madame Laquet. Merci. Et puis, on salue également tous ceux qui nous regardent du Cameroun, Yaoundé, Douala, etc. Alors, on a fini avec ce premier sous-thème, cause et forme de dispute. Également, bon, les disputes, ça c'est quand les deux, on peut penser que c'est quand les deux personnes sont face à face, mais même au téléphone aujourd'hui, Par appeler, voilà, SMS, ça appeler existe. la maman ou le papa devant les enfants et puis lui dire des choses. L'enfant, même si finalement il saura que c'est son parent qui est Tout à au bout fait, de fil, tout à fait. des choses à éviter. Alors, avec la permission de Patricia, et on va tout de suite passer à la deuxième. Au deuxième sous-thème hein, de ce grand thème dispute entre parents, épargner les enfants, on va parler des conséquences donc parents-enfants. Conséquences entre les parents d'abord. Bon, il y a, c'est la souffrance, hein. Tout ça, c'est la souffrance. Il y a la rupture de la confiance. Vous savez, j'ai rencontré des femmes ou des hommes qui disent, je regrette d'avoir fait le mariage. Si c'était à faire, je n'allais plus me marier. Ça veut dire que c'est dramatique. Donc, vous voyez que ça, c'est l'expression d'une souffrance. Bien évidemment, à l'extrême, c'est des divorces, c'est des dépressions, bien évidemment. Il y en a qui vont même jusqu'à avoir des tentatives de suicide, ou des gens qui se sont suicidés pour des problèmes de tension dans les couples. Donc, si on va même plus loin, il y a les deux familles également qui vont emporter les conséquences. Parce qu'à un moment donné, chacun veut protéger son enfant. Tout à fait. Moi, j'ai ma fille ou j'ai mon fils, je pense qu'il a raison. Ça, c'est naturel. Et puis, de l'autre côté, leur fils ou leur fille a raison. Donc, ça crée des tensions incroyables entre les familles. Donc, bien évidemment, au-delà, ça crée énormément de difficultés. Et peut-être qu'on va insister au niveau des enfants, mais aussi bien au niveau des parents, il faut le dire effectivement qu'il y a des véritables conséquences. Vous voyez, je termine pour les conséquences. Vous connaissez des couples où des gens vivent ensemble depuis des années. Il n'y a même pas de sexualité. Il n'y en a pas. À cause du fait qu'il y a la mésentente entre le couple. Donc, on punit son ami, on ferme le robinet, comme le diraient d'autres. On se punit Mais. soi-même en même temps. Bien évidemment, donc à un moment donné, on peut devenir alcoolique parce que ce monsieur qui déprime ou cette femme, elle peut aller dans la drogue, dans la prostitution, enfin, tout peut y Les arriver. comportements dépressifs. Ouais, absolument, la dépression, c'est la conséquence que nous avons le plus souvent en pratique de psychiatrie. Une femme qui vient qu'elle déprime, à un certain âge, on essaie de fouiller dans la maison, on se rend compte bien évidemment que dans les circonstances de famille, c'est terrible. Tout à fait. C'est terrible. Je pense que Docteur Bourg a tout dit. Donc, Je dis les bon, non, non, si, vous avez vraiment survolé et tout est sorti. Mais c'est vrai que il peut avoir plein de problèmes au niveau des parents, mais quand c'est géré à deux, c'est entre deux personnes responsables. Donc, même jusqu'à ces problèmes-là, on peut toujours les gérer à deux. Et surtout, on part sur l'engagement qu'on a pris tous les deux. On s'est engagé dans une aventure ensemble. Si on décide d'avoir des problèmes, c'est vraiment tous les deux et tous les deux, pardon, et on décide de les régler aussi ensemble. Donc, il faut essayer vraiment pour les parents, de, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir essayer de gérer ces problèmes-là, Et rien que quand, tous les je deux. veux dire, après, c'est pas toujours évident de pouvoir régler, parce que chacun est acteur de la chose, chacun a sa position, il ne faut pas hésiter à faire appel à une personne. Oui, mais ça c'est même au D'accord, niveau de la on va famille. prendre Madame Ousseina qui nous appelle du Niger. Bonjour, Madame. Madame Ousseina, vous nous Allô, entendez? bonjour. Oui, bonjour, Madame. Vous dites que les études en parallèle. Oui. Bonjour. Bonjour, Madame, on vous écoute. Je voudrais dire que
le problème qui se pose entre les enfants et les parents, c'est un grand conflit. Il y aura un grand conflit entre le papa et la maman. Oui. Et les enfants encore. Donc, ils vont mettre une barrière, quoi. L'enfant va prendre parti pour sa maman et il va bouger contre son papa. Mm-hmm. Et si c'est de l'autre côté, il va bouger contre sa maman. Oui. Donc, c'est pas bon, ça joue sur la mentalité de l'enfant et c'est ça qui va amener les enfants, qui va être traumatisé. Tout à fait. Être trop traumatisé, voilà. Et les enfants vont aller au dehors, bon, ceux qui ont vu leur papa, quand ils vont aller appliquer au dehors aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Merci de nous avoir appelés. Merci. Mmh. Très bonne journée. Alors, elle revient sur ce qu'on a dit, à éviter de prendre les enfants à partie parce que finalement, si l'enfant est plus proche de son père ou de sa mère, il aura une sympathie, une inclinaison naturelle vers ce parent-là et puis il aura tendance à prendre sa défense. Si vous me permettez, je voulais quand même... Pardon, encore un coup de fil. On y va, puis après, on vous laissera parler. Monsieur Kofi qui nous appelle de Yamsokro. Bonjour, monsieur. Allô, c'est madame. Madame Kofi. Voilà. Toutes mes excuses. Merci. Je vous dis vraiment merci pour l'émission. Vraiment, elle est vraiment bienvenue pour nous. Merci à vous. Ok. Donc, parlons de conséquences. Moi, je prends mon cas. Oui. Donc, je suis mariée, ça fait 10 ans maintenant. À cause des petites disputes dans le foyer. Franchement, en tout cas, moi, ça fait qu'aujourd'hui, vraiment. Bon, je vis dans le foyer pour mes enfants. Je vis dans le foyer actuellement pour mes enfants parce que je me dis qu'ils sont encore très petits. Si je m'en vais, vraiment, ça ne sera pas bien. Ça va jouer sur leur mentalité, sur leur, je ne sais pas. Leur éducation. Voilà, leur éducation. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas dans mon foyer pour mon mari. Ah, je le dis. Voilà. Est-ce que vous avez, je suppose que vous avez sûrement essayé de résoudre le problème. Hein? C'est un problème de communication ou... Bon, c'est un problème de communication, en fait. Parce qu'on essaie de régler, on essaie... Bon. Souvent, on se dit que ça va. En tout cas, moi, je me dis que ça va. Mais à un certain moment, il y a des choses qui reviennent encore. Je me dis que je fais des efforts de mon côté, mais bon, ça ne change rien. Très bien. Merci beaucoup, madame. Et merci beaucoup de courage à vous. Merci. Merci. Je voudrais dire à madame Kofi Yako et puis à toutes les personnes qui sont malheureusement nombreuses. Il y a beaucoup de personnes silencieuses qui souffrent de ces situations. Je leur dis tous nos encouragements. Et puis prier Dieu de les consoler, de les soutenir parce que c'est difficile. Alors, ceci étant, souvent on dit que les enfants prennent parti pour... Mais il y a une raison. Des parents. Mmh. Souvent, les enfants prennent parti pour la maman. D'autres fois, bien sûr, pour le papa. Mais il y a toujours une raison. Quand le papa abandonne la maman à la maison, qu'il ne s'en occupe pas et qu'elle est en train de se débattre seule, la nature humaine est telle que les enfants vont s'accrocher de leur mère. Ça, c'est souvent. Or, souvent, les hommes peuvent faire souffrir les femmes, les abandonnant, allant dehors, n'assurant même pas le minimum. Donc l'enfant qui est là voit sa maman souffrir, est obligé de s'attacher. Et à elle est de constituer un front commun qui malheureusement a des conséquences dommageables. Ça peut être dans le cas contraire, quand une maman ramasse toujours ses affaires, je vous abandonne, et que le papa est toujours présent. L'enfant est toujours du côté de celui qui l'arrange. Donc si les deux s'entendent effectivement pour arranger l'enfant... Même quand les deux parents sont présents dans le foyer et que c'est toujours des injures... Absolument. Porter vis-à-vis de la maman, des coups même, de la violence physique, etc. Forcément, l'enfant... Il y a un qui va se sentir blessé et qui va prendre des faits pour le plus faible, la plupart du temps. Absolument. Voilà, tout à fait. On a toujours, même dans la rue, quand vous pensez qu'on est en train de frapper quelqu'un, votre réaction, si vous êtes courageux, c'est de prendre faire cause pour celui qui est faible. On ne va pas défendre celui qui est fort. Mm-hmm. Donc, celui qui brime, on prend toujours faire cause contre la personne. Monsieur Nyaleba, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Nyaleba. Bonjour, Eva. Vous nous appelez de Cocody, c'est bien ça? Oui, justement, je vous appelle de Cocody. Hier, c'était mon anniversaire, octobre, et je suis sûr que votre anniversaire, c'est aussi octobre. Avant de commencer, je vous dis joyeux anniversaire en avance. Merci beaucoup, monsieur Nyaleba, c'est le 22. Et j'apprécie beaucoup cette émission de Mohamed Kanté à vous, n'est-ce pas? Merci. Et en ce qui concerne exactement de ce dont vous parlez aujourd'hui,
Oui. Je crois que c'est vraiment un déshonneur, c'est carrément désagréable, n'est-ce pas, de voir des parents se disputer, you know, devant leurs enfants. Et c'est inacceptable. Et dans les pays développés, je crois que on prend carrément des décisions pour cela. Ou on va vous retirer la garde de l'enfant, ou on fera quelque chose parce que l'enfant ne vous appartient pas. Il appartient à toute la société, n'est-ce pas? Bon, je crois que vous n'avez pas le droit de maltraiter les enfants et de donner des enfants vraiment qui ne seront pas aptes à pouvoir faire des choses vraiment qu'il faut pour cette société dont nous voulons bâtir aujourd'hui, maintenant. Donc je crois que le débat est vraiment bienvenu et je crois que cela va permettre aux gens qui le font, n'est-ce pas, de pouvoir avoir des comportements un peu plus responsables, quoi. Je vous remercie. Merci et vraiment, j'apprécie beaucoup aussi ce que vous faites. Merci. Et joyeux anniversaire à vous. Je salue le docteur. Et j'aimerais, pour le docteur, j'aimerais lui dire que j'apprécie tout ce qu'il dit. Mais quand il disait tout à l'heure qu'il y a des gens, par exemple, qui disent que je suis l'homme de la maison, et ce que je dis, c'est vrai, il ne faut pas exagérer. Mais en ce qui concerne, par exemple, les enfants, les femmes sont souvent un peu trop dociles. Donc, je crois que l'homme, en ce moment, Et il doit s'imposer. Ok, c'est discutable, je suis d'accord. Discutable. Merci beaucoup, monsieur Nyaliba. Bonne journée. Très bonne journée. Encore une fois, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous aussi. Merci. C'est ton anniversaire aujourd'hui, non, on ne sait pas. C'est le 22. Ah, non, non, non. Okay. D'accord. Alors, on va revenir encore à notre page Facebook. C'est ça. Et Cédric Kevin Herbert dit « La conséquence la plus palpable est le divorce. Or, tout divorce conduit au déchirement des enfants au niveau psychologique et social. » Monsieur Zoumou Alexandre Batiebo dit « Retenons que la meilleure solution est celle qui consiste à échanger, se parler dans le foyer et c'est à ce prix que toutes les discussions ou les disputes seront évitées. » Monsieur Zoumana Kandé dit « La meilleure manière d'épargner les enfants est de prendre les précautions en évitant les disputes devant eux. » Et on va finir avec Ange Serge Aristide Kwame qui dit « Évitez que les enfants soient là, on parle calmement, sans faire de disputes et on ne cherche pas à régler le problème sur le champ, mais le gérer après et dans le calme. » Oui, je pense que bon, ça nous permet d'aborder la deuxième partie des conséquences sur les enfants, oui, bien évidemment. Les conséquences sur les enfants, oui. Parce que c'est dit, hein, au niveau psychologique, au niveau scolaire, au niveau affectif. Souvent, on a dit sur ce même plateau que s'occuper d'un enfant, ce n'est pas seulement de l'argent, le côté affectif. Quand pour des conflits, la maman ne se sent pas bien ou le papa ne se sent pas bien, qu'il est tout le temps parti, je ne sais pas quel citoyen ou quel enfant nous voulons avoir demain. Si aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons beaucoup de difficultés dans nos relations avec les autres, bien évidemment, on ne donne que ce qu'on a. Très bien. Maï nous appelle de Bengerville. Bonjour, madame. Bonjour. Merci. Oui, bonjour. Oui, merci de nous appeler. On vous écoute. Oui, je voudrais participer à l'émission. Vous y êtes? Ok. Je pense que les parents doivent se disputer dans la chambre pour épargner les désagréments aux enfants. Mmh. Et puis aussi, il faut régler les problèmes le jour au jour. Ne pas laisser les problèmes tarder. Mmh. Quand il y a un problème, on règle le problème. Comment je vais dire, on ne réveille pas les morts, c'est-à-dire on ne revient pas sur les problèmes qui sont déjà passés. D'accord. Parce que si vous revenez toujours sur les mêmes problèmes, ça va, c'est comme si vous êtes hypocrite et votre relation n'est pas claire. Mm. Donc il faut... Alors. Donc, j'étais en train de parler justement des conséquences sur les enfants. Ce sont des enfants qui peuvent être déséquilibrés, des enfants également dépressifs, avec des mauvais résultats scolaires. Donc, vous voyez que les conséquences... Et des enfants même qui vont avoir tendance à fuir la maison. Parce que s'il y a toujours une atmosphère lourde de disputes, les enfants de la rue, l'enfant, de la rue. Voilà, il se retrouve dans la rue. La maison est censée être un arbre de paix, autant pour les parents que pour les enfants. Oui. Donc, on se retrouve là en famille pour échanger, pour bien vivre, pour développer certaines valeurs, des principes, mais vraiment une atmosphère chaleureuse en famille, surtout la chaleur familiale. Quand ça ne va pas dehors, on se retrouve à la maison. Quand ça va dehors, on se retrouve toujours à la maison. Même quand on quitte le domicile familial, quand on est majeur, très souvent, on revient à la maison parce que c'est là qu'il y a les sources, c'est là qu'il y a les bases, en fait, de ce qu'on est aujourd'hui. Et quand quelqu'un qui a un enfant a grandi dans une telle atmosphère ou qu'il grandit
sortie, même dans cette atmosphère-là. C'est clair que quand l'école finit à 16h, lui, il traîne dehors jusqu'à 19h-20h parce qu'il est convaincu que chaque fois qu'il rentre à la maison, il y aura forcément une histoire. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger, ces deux-là, mais ils vont nous produire quelque chose. La nourriture, soit... Tu es rentré tard, voilà. Tu as bu, ton vêtement est comme si tu n'as pas fait ça, je t'avais demandé. En tout cas, il est convaincu qu'il rentre. Et chaque fois qu'il rentre et qu'il retrouve effectivement cela, il y a l'impression qu'il y a un problème au niveau de ses parents. Parce que c'est des gens qui sont censés être des modèles. C'est des gens qui reflètent quelque chose de positif pour lui. Et quand il arrive à la maison et que ça ne va pas, lui, à la limite, il se demande ce qu'il fait au milieu là. Et quand il n'a pas envie de prendre parti, parce qu'il se dit, moi, je préfère me concentrer sur mes études et essayer de développer... Vas-y. D'accord. Madame Sissoko nous appelle de Bietri. Bonjour, madame. Allô, bonjour Eva. Oui, bonjour Madame Sissoko. Ça va, vous allez bien? Oui, super, et vous-même? Ça va, Dieu merci. Très bien, on vous écoute. Moi je suis contente de participer à l'émission déjà, ça me fait plaisir. À nous également. Voilà. Bon, par rapport aux conséquences, je pense que les parents doivent prendre conscience par rapport aux discussions devant les enfants, c'est pas bien. Ben moi j'ai été mariée et bon, pendant 7 ans, mais quand je suis partie, personne n'a compris pourquoi je suis partie. Pourtant, il y avait des discussions. Mais je faisais tout, on se discutait dans la chambre sans que personne ne sache. Et je suis partie. Ma fille, elle n'a jamais su pourquoi je suis partie. Mais comme là, elle a 19 ans, je lui ai dit, ah, écoute, c'est parce que ça n'allait pas. Mais elle me dit, mais maman, je t'ai fait discuter avec papa. Et j'ai dit, mais bébé, c'est pas parce que tu ne me voyais pas qu'on ne se discutait pas. Donc, j'ai essayé vraiment du truc et j'ai vu que ça n'allait pas. J'ai plus du moins... Et un jour, j'ai dit, ben écoute, ça suffit, je t'aime bien, mais là, ça va quoi. Et je suis partie, tout simplement. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai. Moi, en tout cas, je n'ai pas pu garder, je n'ai pas voulu rester là, faire semblant, tout ça. Pourtant, ça n'allait pas parce que à chaque fois, on revenait sur les mêmes choses. Je lui faisais des reproches, je vais changer, ça ne changeait pas. Donc, je suis partie. Mais pas plus tard, même qu'il y a un mois, ses soeurs m'ont demandé, mais pourquoi tu es partie? J'ai dit, mais écoute. Mais s'il y avait des problèmes, fallait nous en parler, on allait essayer. J'ai dit, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de problème, il y avait des problèmes, mais on a essayé de régler entre nous, ça n'allait pas. Et moi aussi, je n'ai pas voulu que tout le monde soit au courant de nos discussions, de nos foyers. À chaque fois, les gens viennent intervenir, tout ça, j'ai jamais voulu ça. Donc, j'ai préféré partir, et puis bon. Voilà quoi, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Madame Sissoko. Merci à vous aussi. Allez-vous. Bonne journée, merci pour votre témoignage. Et Madame Sissoko, d'ailleurs, va nous permettre d'amorcer la troisième partie de l'émission. Parce qu'apparemment, elle a assez bien épargné sa fille au point que la petite ne savait même pas qu'il y avait des problèmes dans le couple. Alors, comment épargner les enfants? C'est la troisième partie de cette émission. Des conseils, docteur? Je pense que les téléspectateurs qui ont appelé de partout ont donné plus ou moins quelques approches. C'est surtout éviter les disputes devant les enfants. Mais je me pose la question, est-ce qu'on est vraiment obligé de se disputer aussi? C'est une question. Très souvent, c'est une petite discussion qui dégénère en dispute. Voilà, donc je pense que les échanges doivent se passer à huis clos. C'est pour ça qu'on parle de chambre conjugale, c'est une chambre privée, c'est une chambre en Afrique, c'est une chambre sacrée. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde a accès. D'accord. Madame Christine? Allô? Allô, bonsoir Eva. Bonjour, Christine, c'est ça? Oui, c'est Christine. Vous nous appelez de Hongrie? D'Autré, pardon, vous écoutez. En fait, par rapport aux conséquences, j'ai bien voulu que le docteur mentionne quelque chose. Oui. On va dire, quand le jeune est adolescent, un enfant qui vit dans un foyer qui se dispute tout le temps, ce jeune, après, il est... J'ai l'impression que les parents accordent plus de temps à se discuter qu'à l'élever. Je veux dire, à lui donner une bonne éducation. Et donc, je souhaiterais que vous fassiez un éclaircissement plutôt sur ce point. Très bien. Merci, Christine. OK. Je pense qu'on a parlé d'adolescence. C'est par respect, nous a appelé, il faut qu'on réponde brièvement. On a déjà parlé d'adolescence, on a dit que c'est une période difficile. On en a parlé la semaine dernière. Voilà, donc c'est évident qu'un enfant qui est si perturbé, si vous ne lui consacrez pas le temps de l'étude, de l'éducation correcte, ça va être plus grave. Parce que la tendance même dans son développement en tant qu'adolescent, c'est d'aller dehors. C'est d'être les affronts, c'est la désobéissance. Mais si l'environnement familial lui offre l'occasion, l'opportunité, ou bien la carte blanche, là c'est grave. Donc ce qu'elle dit est vrai. Je pense qu'il faut consacrer plus de temps à l'éducation des enfants, surtout d'un ado,
Parce qu'après, les conséquences sont plus dramatiques. Évidemment, les conséquences sont fonction de tranches d'âge. On n'est pas rentré dans tous ces détails parce qu'une, on ne peut pas. On le survole pour tout le monde. Mais il est évident que l'adolescence est une période difficile, comme on l'a dit la semaine dernière. Si les bagarres et les choses, les conséquences seront plus graves. D'ailleurs, la plupart des enfants de la rue, ce sont des adolescents. La grande majorité, ce sont les adolescents de 13, 18 ans, 20 ans qui commencent à travailler dans la rue et qui deviennent des enfants de la rue. Très bien. Donc, ce que je voulais dire à mademoiselle Ndotré. Très bien. Ou madame. Pour cette troisième partie, donc, comment épargner les enfants? Oui, j'étais en train de dire... Oui, vas-y. Oui, allez-y. J'étais en train de dire que, sur la base de tout ce que les uns et les autres ont dit, c'est d'apprendre à avoir un cadre de discussion approprié. Si on a, parce que quand on peut être dans la chambre, on crie tellement que même on entend dehors. Ça sort, oui. Donc je me demande si la chambre est devenue finalement sacrée. Moi, je conseille parfois qu'on peut sortir. On peut aller à la plage, on peut aller dans un restaurant pour dire bon, on change de cadre et puis on va se parler sur tel, tel sujet. Mais je voulais surtout insister sur la qualité des échanges. Beaucoup de personnes ont appelé, ont dit c'est difficile, même la dame qui a dit j'ai préféré partir, c'est son choix. Parce qu'on revenait sur les mêmes choses. Et on le disait hors antenne avant de venir à cette émission, que j'ai l'impression qu'on n'est pas sincère en fait dans le règlement de nos conflits, dans nos relations. On le règle de façon superficielle. Parce qu'on veut que ça s'arrange. Voilà. On dit ce que l'autre a envie d'entendre. Alors qu'on n'est pas forcément d'accord sur le comme sujet tu veux, en question. Voilà, comme tu veux que je te demande pardon, bon, pardon. Mais le problème n'est pas réglé. C'est comme une plaie. Vous mettez le produit en profondeur, ça avance. Donc le vrai problème, c'est ça. C'est qu'on ne règle pas en réalité les problèmes en profondeur. Et en général, la personne aussi qui est en face de nous n'a pas envie d'entendre certaines choses. Donc, on a peur de se parler et on garde, mais c'est la plus mauvaise manière de régler des problèmes entre deux personnes, de se coindre dans un couple, que de vouloir camoufler, pensant que demain, ça va s'arranger. C'est dangereux, c'est une bombe à retardement et quand elle explose, je vous assure que c'est pratiquement la même conséquence qu'une bombe réelle que les gens posent. D'accord. Voilà. Alors, donc, quand on discute mari et femme, que le temps commence à monter, qu'est-ce qu'il faut faire pour la femme ou pour l'homme? C'est tout de suite calmer le jeu quand on voit que l'autre s'énerve un peu trop. On calme les choses quand les enfants sont présents. Je crois que quand on est dans un couple ou dans une relation, il faut avoir la maîtrise de soi, il faut apprendre. Parce que finalement, à un moment donné, vous qui criez là, après, vous devenez ridicule. Aux yeux des enfants, aux yeux de vos amis. Donc, ça s'apprend, la maîtrise de soi. Le travail sur soi-même pour apprendre à se maîtriser. De sorte que ce qu'on entend, vous allez voir quelquefois dans certaines situations, vous faites du mal à quelqu'un. Il est serein, il ne parle pas. Mais il est plus fort que vous. Parce qu'à terme, il va vous dominer. Donc, apprendre à se maîtriser, c'est un art. Et je pense que quand le temps monte, il va falloir qu'une des parties accepte de se faire petite. Toute petite, oui. Toute petite. Le gros problème, c'est que chacun d'entre nous est orgueilleux. Oui. Et c'est d'ici, si je ne parle pas, il va dire que lui me commande. C'est lui qui a il raison. Il domine, il dit il a raison. Mais j'ai posé la question une fois ici. Quand j'ai un problème avec ma femme, par exemple, que j'ai raison, ça m'emmène où? Qu'elle est en train de souffrir parce que j'ai raison sur elle. Ou que je suis en train de souffrir parce qu'elle a raison sur moi. Ça mène où? Ça mène au désastre parce qu'à la fin, la nature humaine a tendance à rattraper son tort. C'est-à-dire que j'ai un problème, je donne l'exemple comme ça à mademoiselle Conan. Si aujourd'hui elle a raison, il faut que demain, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, il faut que demain j'ai créé une situation où moi j'ai raison. Comme ça, ça fait l'équilibre. Oui. Mais parfois, ça va dans les dérapages aux conséquences dommageables. Très bien. Alors, on va finir avec quelques réactions ici. Quelqu'un qui dit, pour ma part, il n'y a qu'une seule façon d'épargner les enfants des disputes. La chambre doit être le lieu de disputes. Et cela doit se faire avec un ton raisonnable. Bon, je crois que c'est ce qu'on a dit. Voilà. Une autre réaction, c'est vraiment difficile pour un enfant. Cela reste gravé à vie dans la tête de l'enfant. Moi, ma fille avait 2 ans quand son père quittait la maison. Aujourd'hui, elle en a 5. Mais elle s'en rappelle, c'est vraiment difficile de la voir en parler. Absolument. Absolument. Je suis d'accord avec. Le développement des enfants prend un coup. Vous savez, même les mauvais résultats scolaires, quand vous voyez les causes des mauvais résultats scolaires, vous partez chez les psychologues, psychiatres qui occupent des enfants, on va toujours fouiller un peu l'environnement familial. Et quand l'environnement est délétère, ne pensez pas que cet enfant-là, il peut résister un temps, il ne peut pas aller plus loin que ça. Il y a Maria Massila qui dit « Moi, je me dispute très souvent avec mon homme à cause de sa disponibilité. Il est plus au travail qu'à la maison et notre fils ne peut même pas profiter de lui. Il arrive des fois que notre fils pleure quand il nous entend se disputer. J'en parle à mon homme qui ne dit rien. » Bon, je pense que c'est ça. On a déjà parlé de ça. Il faut trouver du temps. Peut-être qu'on reviendra un jour sur la gestion du temps. Il faut consacrer le temps à sa famille. Je pense que c'est important. Parce que je disais à quelqu'un la dernière fois que comme tous les immeubles d'Abidjan vous appartiennent, qu'on doit louer à coups de milliards si vos enfants deviennent des enfants de la rue, je vous assure qu'ils vont vendre ça pendant que vous êtes en vie, avant votre mort. Tout à fait. Donc c'est bien de travailler, de chercher beaucoup d'argent. On en cherche beaucoup, on coupe partout. Mais je pense que nous devons trouver du temps de qualité pour nos enfants parce que c'est le meilleur héritage que nous allons laisser
à la postérité. Très bien. Miss Konan, Pour finir, moi, je souhaiterais que toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous suivent depuis, en fait, ils essaient de gérer leurs relations, comme Dr Brou l'a dit, donc la qualité de leur relation dans le couple. Il faut toujours voir. Et sur, moi, je pense qu'un mariage, une union, donc une aventure à deux, c'est surtout savoir se donner. Il ne faut pas toujours attendre, comme Dr Brou le disait, d'avoir raison, de toujours être la personne qui est au-dessus et tout cela. Il faut essayer certaines fois de céder pour pouvoir créer une bonne harmonie et surtout prendre en compte les enfants. On a fait des enfants ensemble, on a décidé de s'en occuper, voir toujours autant l'intérêt du couple, donc des personnes de tous les deux, mais surtout l'intérêt des enfants, comment créer un cadre idéal pour pouvoir éduquer ses enfants et en faire de bonnes personnes, parce qu'un enfant après qui devient difficile, qui n'a pas envie de se marier parce qu'il a vu comment sa mère s'est comportée et son père, ou des enfants qui battent parce que moi, mon père, il a battu ma mère pendant... C'est des choses comme ça qui marquent les enfants. Il faut essayer de faire attention pour avoir des enfants bien aussi, qui ont un bon témoignage en société. Très bien. Ce sera donc notre conclusion aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que demain, ou du moins vous informer que demain, on parlera donc de séparation. Quand on a tout tenté pour régler la situation, quand on fait tout pour éviter de se disputer, que malheureusement ça ne va pas, que le couple arrive à se séparer, comment là encore épargner les enfants, comment bien faire vivre cette séparation-là aux enfants. Ce sera le thème demain. Vous pourrez encore... d'avance pour le choix, parce que je pense que c'est un très bon choix aussi. Merci, bon choix. Docteur, merci Miss Konan. Alors demain, vous pourrez encore réagir au téléphone 22 42 54 ou sur la page Facebook. D'ailleurs, vous pouvez commencer à réagir. On sera très heureux de lire vos réactions demain à l'antenne. Cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. Elle sera également aux commandes demain. Prenez soin de vous et des autres. Restez sur RTI2. Nos programmes se poursuivent. Sans oublier la rediffusion de l'émission Entre les lignes. Voilà, ce sera dans 15 minutes sur RTI2. Ne décrochez pas, je l'ai dit, nos programmes continuent. À demain.